Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter Émilie, une nouvelle femme inspirante à découvrir. Salut Émilie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Émilie, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement? Qui es-tu? Alors, je suis Émilie, j'ai 32 ans, j'habite à Bordeaux et je suis naturopathe spécialisée en nutrition. Ouais. Et d'ailleurs, on est chez toi, dans C'est ton, ça. comment tu dis, ta cuisine, Dans ton cabinet. ma cuisine, ouais, j'aime bien dire dans ma cuisine. Et donc là, on a effectivement la cuisine, on a le grand plan de travail pour, voilà, pour faire les Les cours. Tu cours, vas tout à nous en fait, parler, les cours collectifs. Et ouais. puis, le petit cabinet, je ne sais Voilà, pas si on arrive à le ici, voir là, le voilà, petit cabinet. j'ai mon bureau de consultation juste ici. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est ici que tu proposes à la fois des séances individuelles et aussi des cours collectifs. Exactement. Pour moi, ça avait vraiment du sens d'avoir les deux qui soient associés dans le même lieu. Ouais. Parce que c'est vrai que d'un côté, on a des séances individuelles, voilà, où on parle nutrition, et de l'autre, ben, on met en pratique parce que souvent, ben, on a envie de mettre les mains à la pâte. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, d'être aussi sur quelque chose de plus Tout concret à fait. pour réussir après à reproduire à la maison. Ben souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de théorie, il y a moins de pratique. Et ça, c'était quelque chose pour moi important de faire le lien entre les deux. Ouais, et d'ailleurs, j'ai regardé là tout à l'heure, enfin, je regarde régulièrement les programmes, enfin, voilà, dans ton programme ce que tu proposes. Là, il y a un atelier qui vient juste d'avoir eu lieu en février sur. Alors, on a s'alléger après les fêtes, donc c'est la thématique du moment, mais il y a Ouais, aussi prendre soin de son immunité, voilà, ça, bien c'était un sûr, atelier qui en m'intéressait. connexion avec l'assiette, hein, toujours. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de voir aussi comment notre alimentation, évidemment, enfin, moi, je dis évidemment parce que, Peut avoir un voilà, impact mais peut avoir un impact aussi sur notre niveau complètement. d'énergie. Ouais. Ouais. Et au-delà de ça, il faut que ça soit un moment de plaisir aussi Ouais, c'est ça. et de partage. Ok, donc du coup, là, tu proposes des ateliers, les participantes se Alors, retrouvent. il y a les deux, il y Ouais. a de plus en plus d'hommes, je suis très contente de ça. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, c'était des ateliers plutôt féminins. Ouais. Et là, de plus en plus, 1, 2, 3 hommes sur 10 femmes, c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est une bonne répartition. Ouais, c'est chouette. Et donc, tu me disais à la fois, toi, tu fais de la transmission théorique et puis après, pas mal de pratiques. Exactement, donc l'atelier de 4 heures, souvent, il y a 1 heure de théorie. Et 2 heures de pratique plus dégustation de ce qu'on a préparé. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment voilà, avoir une transmission très fluide et qu'on arrive à se retrouver avec ce moment de partage à la fin. Ouais, ok. Et moi, je me demandais en fait ce qui t'avait amené à t'intéresser en fait à la naturopathie et à te spécialiser dans la nutrition. Qu'est-ce qui fait que tu consacres aujourd'hui la plupart de ton temps à Alors, la ça? naturopathie, ça remonte à il y a très très longtemps, parce qu'en fait, quand j'étais enfant, la meilleure amie de ma mère était naturopathe, et Ok. donc du coup, elle m'a accompagnée depuis l'âge de 6 ans, je crois. Donc, j'avais déjà été élevée dans ce respect de cette écoute, je dirais, de mon corps par le biais de l'alimentation. On était un peu la famille bizarre. On Ouais. mangeait bio, on avait du gomasio, donc il y a quelques Les années, ça mangeurs de c'était graines, quoi. exactement, Ouais. tout à fait. Et du coup, j'ai eu un parcours professionnel entrepreneurial avant ma reconversion, où je me suis un peu perdue moi-même. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu envie de revenir vers la naturopathie. Donc j'ai fait une formation pour moi d'abord. Voilà, Ah oui, c'était c'est pas du ça. tout un objectif professionnel au départ. Ouais, c'est parce que ça t'intéressait Exactement. et que tu voulais explorer ça. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai terminé ma formation, je me suis dit alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'installe en cabinet? Est-ce que je reçois des gens toute la journée? C'était pas quelque chose qui me donnait très envie, ce Ouais. côté statique dans un bureau. Ah ouais. Et voilà, moi j'aimais Là, tu manger. t'es, voilà, tu t'es rendu Ouais. compte qu'en fait, finalement, le métier de naturopathe tel que tu l'avais imaginé, posé en Ouais. consultation, Ouais. ben, ça résonnait pas trop en fait pour toi. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai énormément de gens qui viennent me voir parce qu'ils veulent faire une reconversion en naturopathie. Et je leur dis toujours, ça veut dire quoi être naturopathe? Parce que déjà, sa première étape, c'est s'écouter. Mais derrière, professionnellement, comment vous projetez Eh ouais. dans ce métier-là? Donc moi, je savais que voilà, bureau, consultation, 7 jours sur 7, c'était pas possible. Ouais. Donc d'un coup, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aime? C'était la manger, cuisiner et puis du coup, transmettre ce plaisir de manger, de cuisiner. Ouais, donc finalement, tu t'es autorisé à réinventer en fait ton métier, comme on le disait Exactement. avant l'interview, parce qu'on a quand même parlé, Oui. à sortir en fait de la case, quoi.
La case naturopathe, tchac tchac, belle case bien carrée, et en fait à sortir de cette case. C'est ça, et c'est vrai qu'en naturopathie, on explore énormément de domaines différents, que ce soit l'aromathérapie, phytothérapie, la nutrition, médecine chinoise. Et derrière, je me disais, bon, une fois que je sais tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le transmets? Est-ce que je me spécialise là-dedans, dans toutes ces choses-là? Ou est-ce que je choisis vraiment quelque chose qui m'anime? Et vraiment, la nutrition, c'est ce qui me plaisait le plus. Et puis c'est concret, tous les jours, on mange en fait, plusieurs fois par jour même. Donc, Ouais. Et puis, j'imagine que toi, tu dois le ressentir aussi dans la relation que tu as avec les personnes que tu accompagnes, enfin, le fait que tu proposes justement des ateliers. Et que toi, tu y prennes du plaisir. Disons qu'en fait, ce qui leur plaît dans cet accompagnement complémentaire, c'est que des gens partagent. Ouais. Et on se découvre de notre angle. Il n'y a plus cette verticalité praticien-client, mais au contraire, on est autour de la même table, on s'échange aussi des petits tips, hein, parce que voilà, il y a certains qui ont des petites astuces en cuisine qui sont très bien. Ouais. Et donc, du coup, on grandit ensemble dans ce domaine-là, et ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais, il y a plus cette posture supérieure en fait, hein, avec le bureau là qui marque bien la séparation. Tout à fait. Ouais, et du coup une autre posture en fait pour toi avec les personnes que tu accompagnes. C'est vrai que je peux comprendre la posture du bureau en consultation. Des fois, c'est une manière de se protéger. Et je le ressens dans certaines situations. Mais des fois, ça fait du bien, voilà, d'enlever cet espace-là et puis du coup, bah, de se côtoyer différemment. En atelier, on se tutoie. Soit en consultation, on se voit. Enfin, il y a toujours. C'est plus compliqué de se tutoyer tout de suite en consultation. Oui, parce que du coup, effectivement, c'est pas le même. C'est pas le même cadre. Ouais, effectivement. Et donc, du coup, pendant ces ateliers, tu disais, bah voilà, il y a du partage d'expériences. C'est vrai qu'on en a parlé aussi avant l'interview. Tu me parlais, par exemple, des différents appareils que tu utilises, du fait que toi tu étais aussi dans cette exploration plutôt que de poser un espèce de dogme et de dire il faut faire comme ça, mais t'es plutôt à ouvrir en fait les différentes portes. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu disais, il y a beaucoup de dogmes autour de la nutrition. Moi, je trouve qu'il faut laisser la possibilité à chacun de faire ses choix, donc j'amène plutôt une découverte. Propositions diverses, que ce soit pour aller faire ses courses, il n'y a pas de meilleur endroit où faire ses courses. L'essentiel, c'est de le faire en se disant que c'est ce qui me correspond, peut-être à un moment T. Idem pour les ustensiles de cuisine. Voilà, moi je dis, il existe ça, ça et ça. Voilà, quel est votre budget? Qu'est-ce que vous cuisinez au quotidien? Est-ce que vous avez une famille? C'est quoi votre besoin et c'est quoi le contexte en fait initial? Parce qu'effectivement, si c'est quelqu'un qui a envie de faire des jus une fois par semaine ou une fois par mois, quelqu'un qui a, je sais pas, une problématique de santé, qui a besoin en fait d'en faire tous les jours. Et puis moi, j'habite à Paris, hein, donc je sais qu'on peut avoir des très très petites cuisines aussi. Et qu'on peut pas multiplier les ustensiles dans sa cuisine. Oui, c'est vrai que. Alors, moi, depuis que j'habite à la campagne maintenant, ça me parle plus parce que du coup, ça. Voilà, il y a de la place. Mais... Depuis que j'ai cette cuisine, c'est vrai que je trouve que ma cuisine est très petite, même si elle est quand même beaucoup plus grande que ce que j'avais à Paris. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut se dire, voilà, comment être un peu minimaliste en cuisine. Ouais. Parce que souvent, on a plein de choses et on ne sait pas quoi utiliser. Donc, autant en avoir une ou deux et savoir les utiliser correctement. Ouais, et ça, pour le coup, ça me parle parce que c'est vraiment. C'est vraiment un élan que je trouve intéressant pour se recentrer, quoi. Et puis pour arrêter de passer un temps fou à ranger des trucs dans tous les sens. Mais c'est vrai que et ça puis acheter. Une forme de charge mentale aussi de se dire alors j'ai 50 appareils, il faut que j'utilise tel jour celui-ci pour les rentabiliser en quelque sorte. Et oui, ouais. Et du coup, on est un peu perdu. Ouais, donc. Finalement, dans tes ateliers, tu aides aussi tes clients à faire les bons choix sur le matériel à acheter. Complètement. En fait, l'atelier, moi, je dis toujours, j'aime pas transmettre une recette, parce qu'une recette, on l'a fait 2-3 fois, et puis après, hop, on l'a oublié, c'est plus la saison. Je transmets des techniques culinaires, c'est-à-dire, par exemple, cuisson vapeur, le wok, la basse température. Une fois qu'on connaît ça, on peut le décliner avec tous les fruits et légumes de saison, finalement. C'est ça qui est intéressant. Ouais, d'accord. Ouais. Mais ça, c'est vraiment. Et la connaissance. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on a une palette alimentaire qui est finalement assez restreinte et l'idée, c'est de pouvoir l'ouvrir un peu plus pour apporter de la variété. Ok, top. Et je dis top parce qu'en fait, ça fait un moment hein, que je lorgne sur, sur ton programme et maintenant que je suis plus sur Bordeaux, je fais moins d'ateliers sur Bordeaux, mais ça fait partie de...
des choses. Pour 2019. Ouais, ouais, pour 2019, ouais, voilà, faut que je choisisse. Oui, alors il y a plein de thématiques, donc forcément, il faut choisir celle qui nous parle le plus. Ouais, oui, puis j'ai vu que là maintenant, tu proposes aussi des, voilà, des stages plus longs sur plusieurs alors, jours. Je propose effectivement des stages de 5 jours. C'est vrai qu'en 5 jours, on a le temps de partager plein de choses avec un groupe et puis tout un cheminement. Et souvent, je me rendais compte que sur les cours de 4 heures, bah voilà, on avait envie d'aller plus loin, on était un peu frustrés, et puis le cours d'après, bah, y a eu la vie entre temps, hein. On est rappelé à nos habitudes et puis à notre travail. Et du coup, en 5 jours, on est vraiment, voilà, on apprend à cuisiner, on fait de la théorie, c'est répétitif chaque jour, on va faire les courses, on apprend à lire les étiquettes. Ah, vous faites les courses ensemble ? Pas tous les jours, mais on va faire une heure dans un magasin bio, on fait tous les rayons, on va voir tous les produits. Et du coup, c'est vrai que bah, y a des faux amis aussi, même dans les magasins bio. Ouais. Donc bah, ça ouais. me permet de faire un peu le tri, puis d'avoir un budget course qui soit un peu plus raisonnable aussi. Parce que tout de suite, ah, dès cool. qu'on passe en bio, on se dit toujours « aïe, 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 mon porte-monnaie ». Il voilà, faut savoir quels sont les produits qu'on achète au quotidien, et puis bah, les fonds de placard aussi. Ouais, d'accord. Ah ouais, super. Ouais, ça me... Ok, ouais. C'est vrai qu'en 5 jours, on a le temps de faire ça. Ça me donne vraiment envie. On a le temps de faire ça, ouais. Ok, et souvent, bon. J'ai plus d'hommes, d'ailleurs, dans ce format-là. Ah oui. Parce que je pense qu'ils aiment bien l'immersion. Il y a un côté, je suis en immersion, ça sera plus facile pour moi... De plonger vraiment. De plonger vraiment dedans que de faire un cours de 4 heures toutes les semaines ou 2 semaines. Ok. Bon, bah écoute, super. Et du coup, le stage de 5 jours, ça reprend quasiment tout le programme de l'année. Ah, voilà. Donc on okay. voit absolument tout l'intérêt. Ok, d'accord. Bon, je vais retourner aller le voir alors. Et j'avais aussi envie d'aborder avec toi un côté un peu plus personnel parce que du coup, bon ben voilà, t'es naturopathe, spécialiste de la nutrition, t'es entrepreneur aussi à côté. Bah voilà, enfin t'es entrepreneur. Et concrètement, comment tu fais pour toi, pour manger, quand tu manges pas en atelier ou en stage avec les personnes que t'accompagnes? Alors, c'est une bonne question parce qu'effectivement, ça a été mon plus gros problème et je crois que c'est ça qui m'a aussi conduit vers la naturopathie. Ouais. C'est que je me suis oubliée pendant une partie de ma vie, malgré d'avoir été élevée par des parents dans le bio, bien manger, etc. Bah, je croulais sous le travail, j'étais tout le temps en déplacement et du coup, j'avais besoin de trouver un équilibre. T'étais tout le temps à fond. Exactement. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas tout le temps à fond encore aujourd'hui, mais j'ai une conscience différente de ça et je vois très bien que dès qu'il y a un déséquilibre, je peux le rectifier plus facilement parce que je l'entends, je le sens. Okay. Et comment tu fais alors pour l'entendre et pour le sentir, ton déséquilibre ? Il faut se poser en fait, il faut juste se poser de temps en temps et c'est vrai que je ne travaille pas tous les jours déjà, ce qui n'était pas le cas au début de mon activité où je travaillais 7 jours sur 7. Donc là, tu as réussi à t'organiser pour avoir des jours off, complètement off. Une journée off par semaine, okay. Ça c'est sûr. Et après, une demi-journée de plus quand je peux. Ouais. Mais surtout, d'avoir des moments de repos. Parce que c'est vrai, quand on est souvent en contact avec le monde extérieur et puis l'écoute aussi, attentif plus l'échange, ouais. On a besoin en fait de s'écouter, ce qui n'est pas forcément évident. Après, je reste quand même tout à fait humaine. Donc, j'ai une alimentation équilibrée, mais je me fais aussi plaisir. On dit toujours, il y a 70% de sain et 30% de trash. Je trouve que c'est un bon équilibre. Ouais, t'es pas une ayatollah de la cuisine hyper clean. Non, parce que clean, comme on a 100% tout clean. À l'heure, quand on a discuté, c'est une source de stress aussi. Ouais. Donc si on devient vraiment trop focus sur l'alimentation, ça peut être aussi vecteur de toxines et c'est pas du tout l'objectif. Ok, ouais, donc tu lâches en fait là-dessus. Ouais. Ouais. Et puis après, j'ai pas encore d'enfants, mais le jour où j'en aurai, j'aimerais pouvoir leur transmettre ça. Donc je trouvais ça important qu'avec mon compagnon aussi, on ait trouvé un équilibre dans la cuisine. Donc, je suis beaucoup en cuisine ici, donc à la maison, je lui laisse un peu le temps de cuisiner. Je lui ai transmis quelques techniques, donc du coup, voilà, on arrive à s'équilibrer aussi. Ouais, c'est pas forcément toi qui, une fois que t'as fini ta journée de boulot, qui va cuisiner à la maison. Non, quoi. Non, c'était le cas au début, ouais. Parce que j'arrivais pas à transmettre, justement, j'arrivais à le transmettre avec mes élèves, mais pas du tout à la maison. Et maintenant, j'ai délégué cette partie-là. D'accord, ok. Et en termes d'organisation, du coup, comment ça se... Alors, sur comment tu t'organises ? C'est comme pour les personnes que j'accompagne, comme pour mes élèves, j'ai un semainier qui me permet de savoir à peu près les menus de la semaine, en tout cas, menus rapidement en technique culinaire. Par exemple, lundi, c'est quiche, mardi, c'est wok. Voilà. Derrière, j'ai ma liste de courses, ce qui me permet de faire des bonnes courses. Adaptées, sans acheter trop. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, j'aime bien avoir mon frigo quasiment vide à un moment donné. Voilà, comme ça, je repars.
repars sur de nouvelles bases. Ouais, c'est sûr que tu vas pas gâcher, exactement. Que t'as pas préparé trop de choses pour rien. Et après, il y a ça, et en termes d'équilibre alimentaire aussi, je trouve que c'est important parce qu'on n'a pas conscience des fois de notre apport en fruits et légumes journaliers ou à la semaine. Ah, donc ça te permet en fait de voir exactement ce que tu manges sur la semaine. Exactement, ouais. Ouais, tout à fait. Est-ce que je mets du bon gras dans mes assiettes, assez ou pas assez? Est-ce que je mange suffisamment de protéines ou pas? Mmh. Est-ce que je mange trop de viande, pas assez de viande? Voilà, donc c'est toujours la question de ça. Ok, ouais. D'accord. Et donc, du coup, très concrètement, donc là, tu en as un petit peu parlé. Toi, ce que tu utilises et ce que tu recommandes à tes élèves et aux personnes que tu suis aussi hein, en consultation, donc c'est un semainier. Oui, voilà. Donc, on peut créer nous-mêmes, hein, lundi, mardi, mercredi. Et puis, du coup, matin, midi, goûter. Ah oui, donc toi, tu introduis le goûter. Ouais, goûter, okay. Tout à fait. Et puis, ce qui permet en fait d'avoir une vision globale et de pouvoir s'organiser comme ça. Et c'est vrai ça. Que j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont des familles des fois nombreuses. Et je trouve ça important aussi de se réunir autour de ce moment-là pour décider, ce qui permet d'éviter les crises de nerfs au repas où on dit en fait on l'a tous décidé ensemble, donc tout le monde mange la même chose. Ouais, donc ça permet d'introduire de la coopération aussi dans la famille, notamment avec des enfants. Complètement. Ouais. Ça c'est pas mal. Que les enfants n'aiment pas grand chose, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est souvent on leur impose des choses et on les fait pas forcément participer au processus créatif d'un repas. Et dès qu'ils sont dans ce processus là, ils ont un peu plus envie de manger ce qu'ils ont préparé. Et oui, donc à la fois faire les courses, l'épluchage ou la collecte dans le jardin, et puis l'épluchage, mais aussi en amont participer au menu. C'est vrai que c'est pas bête. Une assiette peut être très jolie, donc ça dépend comment on la compose. Quelle couleur, côté très artistique, je trouve. Et tu as évoqué aussi quelque chose qui a fait tilt pour moi, parce que ça fait partie des choses que moi je pratique aussi à la maison. Bon, outre le fait que nous aussi on fait des menus, et puis pour préparer les courses, surtout depuis qu'on est à la campagne et qu'en fait on est quand même assez loin de l'endroit où on fait des courses. De faire des allers-retours. Ça nous permet d'anticiper, et puis même par rapport au groupement d'achat, les commandes. Mais du coup, moi je sais que ce qui nous aide aussi pas mal, c'est, et en fonction des saisons, c'est de dire toutes les semaines, par exemple, il va y avoir une quiche, un Buddha bowl, une soupe ou une salade composée, les lasagnes, enfin voilà. Et nous, on a différentes thématiques comme ça. Ça cristallise pas ce que vous allez manger, parce que ça dépendra du panier de saison. Voilà, c'est ça. Ça vous dit juste quel type de préparation. Ouais. Et moi, je sais que ça nous aide beaucoup pour. Au début, je me disais, ah là là, mais ça va tuer la créativité. En tout cas, c'était la peur que j'avais, que ça tue la créativité et que ça tue la liberté, le naturel, l'élan. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'au final, il y a eu un moment où on ne fonctionnait pas comme ça et finalement, on mangeait n'importe comment. Mmh. Et que pour nous, c'était important d'avoir cette hygiène alimentaire. C'est ce qui ne veut pas dire que c'est complètement figé et fixe. Voilà, et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, on peut très bien avoir prévu pour la semaine, je ne sais pas. Puis d'ailleurs, on ne prévoit pas 7 repas en général. On en prévoit plutôt 5 ou 6. Ce qui est déjà pas mal, et puis il y a toujours des restes aussi qu'on va réutiliser, mais du coup ça nous permet aussi d'avoir toujours la liberté de, je sais pas, un soir de se faire plutôt une pizza parce qu'il y a des copains qui passent et c'est ok, ça passe quoi. Donc ça me parle bien ce que tu proposes. Super. Est-ce que tu as d'autres conseils comme ça que tu aurais envie de partager pour les personnes qui nous écoutent, qui sont à la fois passionnées, donc ça va, elles ont en général pas mal de projets, qui sont engagées, qui ont envie de faire les choses bien. Comment on peut concilier ça pour toi avec cette espèce de, hygiène alimentaire ? Ce qui est important, c'est d'être organisé. Enfin, j'ai toujours cru effectivement à un moment donné que l'organisation était un peu trop militaire, trop encadrée, que ça allait me casser dans ma créativité. Au contraire, ça me laisse une dimension de créativité beaucoup plus importante, parce que du coup, j'ai pas mon esprit qui est bloqué de me dire qu'est-ce que je dois faire après, alors est-ce que j'ai fait les courses, etc. etc. Pour moi, l'organisation, c'est devenu vraiment essentiel. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, moi j'adore lire, donc découvrir des nouvelles choses. Et alors, en termes de cuisine, moi je regarde la cuisine du monde. Elle a tellement à nous apprendre. C'est vrai qu'en France, on est très cuisine gastronomique, etc. Mais dès qu'on va dans la cuisine du monde, il y a tout un univers qui s'ouvre à nous.
et qui nous permet de varier notre palette alimentaire. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Oui, donc avec des ingrédients qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser. Alors, ou des techniques culinaires. On n'a pas l'habitude de les utiliser parce que c'est sûr que si vous allez dans un supermarché classique, c'est un peu plus compliqué en fait. Il y a énormément de rayons, mais en fait, on a toujours la même chose. Mais c'est plus de se dire, voilà, si je m'organise et que je pense à intégrer des légumineuses ou des choses comme ça, on peut aller vers une cuisine du monde avec d'autres saveurs. Moi, j'utilise beaucoup les épices en cuisine. Ça, c'est vraiment mon petit truc à moi. Qui a en plus des vertus au-delà de, voilà, du côté gustatif. En termes de vertus, elles sont vraiment innombrables, on va dire. Mais c'est vrai qu'elles vont amener de la saveur et de la couleur dans l'assiette. Ouais. Et du coup, c'est rigolo. Voilà, on peut vraiment cuisiner avec tout le monde. Et la même soupe, on pourrait la faire pendant 7 jours et mettre du curry, du cumin, du curcuma, de la cannelle en version sucrée, salée. Et ce que je fais aussi, c'est qu'une fois que j'ai fait un semini, on ne met pas la poubelle, on peut le réutiliser plus tard. Donc, ce n'est pas un travail qu'on a à faire tout le temps. Ouais. Et puis surtout, de saison en saison, moi je vois, alors nous on utilise un cahier, un peu comme un bullet journal, mais familial, un grand. Et c'est vrai qu'on retourne en fait sur les pages des années précédentes pour regarder, pour s'inspirer, parce que, enfin, c'est très bizarre, mais moi j'oublie en fait d'une année sur l'autre les recettes qu'à un moment donné, à la fin de la saison, on faisait régulièrement et qui marchaient très bien, quoi. Et ça c'est génial, parce que du coup, on n'a plus à faire ce travail-là. Voilà, il a déjà été fait. Au contraire, on est content de redécouvrir en disant « Ah, mais j'avais cette recette qui était sympa. » Ouais, et qui était chouette. Et en termes d'inspiration, du coup, tu dis que tu lis beaucoup. Est-ce que tu as des blogs ou des ressources à conseiller En blog, j'en ai énormément. Je ne pourrais pas forcément dire lesquels, ça ne me vient pas forcément tout de suite. Et sur ton blog, toi, tu recenses les blogs Non, je ne l'ai pas fait. C'est un onglet que je devrais faire. Ça peut être un article. C'est ça, mais c'est très varié en fait. Souvent, je vais sur des blogs de cuisine végétarienne, voire vegan, pour m'inspirer de d'autres méthodes de cuisine. Mais après, j'adore les livres. Ouais. Moi, j'avoue, je suis papier. Alors, c'est vrai que dans les livres, le problème, c'est qu'on lit pas forcément tout. Ouais. Mais j'adore me plonger dans le livre et venir chercher les recettes à un moment donné. Ok. Et donc, t'as des livres en particulier à nous conseiller? J'ai vu que t'en avais là dans la cuisine. Qu'est-ce que j'ai comme livre? En ce moment, je suis beaucoup sur les livres de la maison d'édition La Plage. Ils font des tout petits formats sur des thématiques très particulières. Par exemple, le houmous, la fermentation. Donc, je trouve que c'est clair et concis. Donc, j'aime bien ce genre de livre. Parce que des fois, les gros pavés, on n'a pas forcément, on ne sait pas par où commencer. Ouais. Donc, notamment, en ce moment, je suis sur la fermentation. Parce que c'est des bons probiotiques pour notre intestin, donc pour l'immunité, c'est top. Ok, top. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de cette interview. Avant de l'arrêter, est-ce que tu aurais une pépite à partager en fait pour nous aider à mieux manger quand on a un quotidien Je dirais se faire accompagner. Se faire accompagner, pour moi, c'est important de trouver la bonne personne, mais de se faire accompagner, ça nous permet de redescendre à un moment donné, de réfléchir à où est-ce qu'on en est, donc de s'arrêter, et donc du coup de pouvoir poser de nouvelles bases. Voilà, ça me paraît être un bon début. Ok, bon, super. Et ben écoute, merci beaucoup, Emily. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut.